La parole est à Monsieur Dominique Dorn. Monsieur le Premier ministre, l'histoire ne retiendra sans doute rien de ce quinquennat qui s'achève, sauf peut-être un goût amer de grand gâchis. Vous aviez des taux d'intérêt au plus bas, un euro au plus bas, un prix du pétrole au plus bas, et vous avez gâché cette manne. Avez-vous relancé l'économie? Non. Avez-vous réduit notre dette? Non. Les impôts ont-ils baissé? Non. Le chômage a-t-il reculé? Non. Les banlieues vivent-elles mieux? Non. Les collectivités locales ont-elles été épargnées? Non. La grande pauvreté a-t-elle reculé dans notre pays? Non. 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 La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Dominique Dorn, un mot sur la question de l'économie. Nous avons eu 300 000 créations d'emplois dans le secteur marchand sur les 7 derniers trimestres. Comment pouvez-vous ici, dans cet hémicycle, nous dire qu'il n'y a pas de reprise de l'activité économique? Comment pouvez-vous le faire? Et vous le savez bien, le chômage diminue parce que justement il y a ces créations d'emplois. Et pourquoi nous avons ciblé nos politiques devant ceux qui en ont le plus besoin? Et c'est bien là une différence avec vous. Cibler des contrats aidés sur les personnes en situation de handicap, sur les seniors, sur les chômeurs de longue durée, développer la garantie jeune, saluée par toutes les expérimentations, par toutes les évaluations. Oui, vous soufflez, oui, en effet, il y a un vrai clivage entre la droite et la gauche dans notre pays. Dans notre pays. Dans notre pays. Dans notre pays. Dans notre pays.